Yannick, une demi-finale qui s'est jouée d'un rien. Vraiment, vous pensez y être. Tes gars ont tout donné. Ce soir, on a assisté à un très beau match. Ouais, on a tout donné. Malheureusement, ça s'est mal terminé, malgré je dirais notre domination en première période, notre domination aussi en seconde période. On a fait un match complet, on a bien gardé le ballon, on a fait à peu près ce qu'on souhaitait faire sur le match, mais après voilà, ils ont été bons à la fin, ils ont tenu le ballon, on s'est mis à la faute et voilà, et la pièce est tombée du mauvais côté dans les arrêts de jeu. C'est la dureur du sport, des fois on gagne comme ça, c'est la joie et ce soir c'est vraiment la tristesse parce que c'est dur quoi. C'est dur de lâcher un match comme ça, de lâcher une réception à une finale dans ces conditions-là quoi. C'est un peu violent, c'est un peu rude, mais je tiens à féliciter quand même toute l'équipe, tous les joueurs qui ont été vraiment remarquables encore aujourd'hui. Et sur cette fin de saison, l'équipe est super, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je tiens à les féliciter, particulièrement Mika Lacroix, le capitaine, qui a été un capitaine exemplaire dans les temps difficiles comme dans les temps un peu plus agréables, mais qui a été vraiment une personne fondamentale sur la réussite de cette fin de saison, tout comme James Percival. C'est les deux secondes lignes avec qui j'ai travaillé cette saison et tout le temps à 100% à tous les entraînements, à tous les matchs. Donc un grand bravo à eux, beaucoup de respect pour ces deux personnes. Et après un grand bravo vraiment à toute l'équipe. Et il y en a qui vont partir et ils vont beaucoup me manquer parce que c'est des super joueurs et des super mecs. Ouais, parce qu'on en a vu comme Mathieu Bonneau qui avait les larmes aux yeux par exemple, d'avoir perdu. Ouais, Mathieu Bonneau qui avait vraiment une grosse implication dans le club, dans l'équipe. Et voilà, et pour ce genre de joueurs, lui et d'autres, je suis vraiment peiné ce soir qu'on s'arrête là parce que ça aurait été super de vivre une semaine de plus en commun et d'aller chercher pourquoi pas le titre. Mais voilà, ça restera une demi-finale et puis un grand bravo quand même pour ce parcours qu'ils ont plutôt bien accompli. Ouais, vous sortez la tête haute et les supporters qui étaient venus en nombre vous ont très bien encouragé. Oui, les supporters, ils ont été vraiment à la hauteur du match. Voilà, c'était un match plaisant, compliqué pour nous, mais avec un gros investissement. Et d'autre côté, les supporters, ils ont répondu pareil, avec un gros investissement, un bel enthousiasme, comme sur les joueurs sur le terrain. Et donc ça, c'était très plaisant. Et la frustration est encore plus grande par rapport à ça. Et de ne pas offrir au public tarbé cette finale, c'est une énorme frustration.